commencer à partir, on va partir à gauche. N'hésite pas à avancer pour tourner, pour pas être en contre-sens. Reste bien sur ta voie encore. Attends de voir ta flèche pour y aller. Allez, vas-y. Et là, on stop, on tourne à droite. Fais attention aux piétons, on sait jamais. Et reste bien sur ta voie, c'est double sens. Reste à droite. Avance encore. Jusqu'à ce que le stop soit au milieu de ta vitre. Côté. Donc là, je marque l'arrêt. 1, 2, 3. Et j'avance tout doucement pour voir s'il y a quelqu'un. Si je vois qu'il y a quelqu'un, je m'arrête. Okay. On va y aller à droite au feu. Jette un coup d'œil sur la droite, il y a un panneau. Ouais. Jeune 30, tu vois. Donc, il faut toujours anticiper. N'attends pas de tourner pour le voir. Parce que là, tu as le contrôle à faire. Tu peux pas contrôler l'angle marche, chercher le panneau, etc. en même temps. Donc, il vaut mieux prendre de l'avance. Là, regarde, qu'est-ce que tu remarques comme marquage? Donc je regarde à droite, à gauche, s'il y a un piéton et trottoir qui tourne, intersection. Donc là, c'est dans mon sens, puisque les voitures sont garées comme ça, mais là, il n'y a pas de stop, pas de passage, donc priorité à droite. Et puis devant le frein, je regarde, il n'y a personne et j'en prends. Ok? Interdit de tourner à droite pour ici, pas de marquage au sol, donc priorité à droite. Donc, puis devant le frein, je regarde, il n'y a personne et je vais. Et on va y aller à droite. Donc là pareil, je ralentis, on regarde le panneau, il voit dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est double sens. Donc s'il y a quelqu'un, je laisse passer et je tourne. On prend l'angle droit, on va peut-être laisser passer le vélo et je tourne. Et là, c'est double sens. Donc, ouais, donc faut que je reste sur ma voie. Qu'est-ce que tu remarques? Pas à droite. Donc, priorité. Donc, je regarde s'il y a un marquage au sol. Donc, seul. Là, est-ce qu'il y a un marquage? Non. Il n'y a pas de stop, pas de passage. Donc, forcément, priorité. Je ralentis, je garde le pied devant le frein, je regarde à droite, il n'y a personne et je repars. Et à l'intersection, nous irons tout droit, d'accord? Ok. Ça ne pas trop, c'est de ne pas rouler sur les cailloux, le mode du trottoir. Donc là, je ralentis, passage piéton, qu'est-ce que je remarque? On a un site de passage, un gératoire, donc celui qui est à l'intérieur est prioritaire. Il n'y a personne, et j'y vais. Il n'y a personne, on y va. Donc c'est toi qui est en droite. Donc là, le véhicule n'est pas à l'intérieur. Oui, il n'est pas. Ouais. C'est celui qui est engagé qui est prioritaire. Okay. Toi, tu es déjà engagé, tu es prioritaire, c'est pas à lui de s'arrêter. C'est pas à toi de t'arrêter. Parce que là, si tu t'arrêtes, c'est pas bon. C'est de ne pas rouler sur les cailloux. Donc là, adapte ton allure. Stationné et en plus de ça il y a des piétons. Et on va tout droit. Donc là déjà le premier obstacle c'est le passage piéton. Ouais. S'il y a un piéton je m'arrête au passage piéton et après je m'arrête au stop. D'accord? Je marque l'arrêt. Une seconde, deux secondes, trois secondes, il n'y a personne à droite, à gauche et je pars. Ok? Ouais. Donc s'il y a un piéton, je m'arrête au passage piéton et après encore au stop. Une deuxième fois au stop. Reste sur ta voie. Et à l'intersection, nous irons à droite. Donc adapte ton allure. Là, tu es prioritaire face à eux, mais pas par rapport à eux. D'accord? Allez, tourne. Donc celui qui est là, il doit te laisser passer. Mais comme toi c'est un peu étroit et que tu dois prendre un peu au pied légèrement, on va à gauche. Sur le véhicule noir, on ne va pas trop vers nous.
toi tu tournes là où il n'y a pas de marquage, d'accord? Là où il n'y a pas de marquage. Ah oui. Sinon tu vas être en contresens. N'hésite pas à faire ton mouvement. Signal. Et dis-moi ce que tu vois comme marquage de sol et comme panneau. Passage piéton. D'accord. Donc tu regardes à droite, ouais, et à gauche. Okay. N'hésite pas à me dire ce que tu vois. Passage piéton aussi après. Quoi d'autre? À comme droite, panneau. Enfin, zone 30. Oui, quoi d'autre? Et à droite, c'est une intersection. Oui. Et à gauche aussi. Donc, et on va où surtout? On va à gauche. Ok. Donc, n'hésite pas à regarder s'il y a quelqu'un pour la priorité. Et là, c'est zone 30. Et là, l'inspecteur, il te laisse. Il te dit rien. Ouais. Si tu vas tout droit, il freine. Ok. Bim. Qu'est-ce que tu vois? Pas à droite. Et à passage piéton aussi. Et si je peux pas aller à droite, qu'est-ce que je remarque? Priorité à droite du coup. Ouais, parce qu'il n'y a pas de marquage. Et on prendra à droite à l'intersection. Là je ralentis pour les piétons. Et qu'est-ce que tu as comme panneau? Comme marquage du sol? C'est le passage. Ok. Freine pas trop parce qu'ils vont croire que tu freines pour eux. Ok. Okay. C'est 30, c'est le dedans, donc c'est bon. Il y avait un dedans, ouais. Ouais, mais 30, tu peux aller, ouais, à 20, 25, même 30. Okay. Ne ralentis pas trop pour rien. De façon à voir les roues de la voiture devant toi. Ok. Neutre. Parce que vu qu'on a pris la clim, ça t'éteint pas. Ouais. En fait, ça reste allumé parce que sinon, la clim, si la voiture elle s'éteint de start and stop et que la clim elle fonctionne là où on est mis assez fort, ouais, ça consomme la batterie. Donc le véhicule il reste démarré. Il s'éteint pas.
à gauche, puis à gauche. Ouais, contrôle, mets-toi directement à gauche. Voilà. Contrôle, mets-toi à gauche directement. Et là, tu vois, à cette intersection, on fera à gauche, puis à gauche. Son allure, elle était plus importante. Elle accélérait plus. Ouais. Peut-être qu'elle voulait les laisser, mais ouais. Elle n'a pas donné l'impression qu'elle voulait les laisser passer. Ouais, en vrai, c'est pas de chance. Hein. Parce que là, elle est presque à la fin, tu vois, il y a juste à revenir. Allez, on va suivre la A86 direction Versailles. Ici, c'est 70. Direction. Vers centre. Très bien.
fois à gauche, puis à gauche, direction Saint-Denis. Sur ta voie, reste sur ta voie. T'es en train d'aller chez les autres. Ok, mais là. Fais gaffe à ta trajectoire. Ouais, c'est après. Hein. Ouais, okay. Fais gaffe surtout à ta trajectoire. T'as failli lui rentrer dedans. Okay. Fais attention, bouge. Fais attention à ne pas aller vers les autres véhicules, à rester sur ta voie. Okay. Donc là, on va faire à gauche pour reprendre la 86. C'est comme si on fait demi-tour. D'accord ? Ok. Ça sert à quelque chose au moins. Ah oui. Hein. Il y en a une, vraiment celle qui a raté là-bas. Elle a raté là aussi, regarde. Ah, pour tourner à gauche et elle est partie trop vers le terre-plein. Ouais. Vers le. Là, là, vers le trottoir. Ouais. Imagine là, t'es à une minute. Hein. Ouais. Il ne reste pas grand-chose. À chaque fois, elle fait ça. Vraiment, là. C'est le stress, je pense. Chercher la voie de droite parce que sinon tu gêneras celui qui est à ta gauche. Okay. Et là c'est eux qui passent normalement, il n'y a personne. Donc fais attention à ne pas tourner tout de suite sinon tu gêneras celui qui est à ta gauche. Sinon, je... Ok. Prochaine fois, on va à gauche puis à gauche pour revenir au centre. Et là, ça fait 30 minutes. Ça dépend, il y a de la situation qui est en gauche. Des fois il peut avoir quelques minutes de retard, attention. Ah oui. Oui, ça peut durer un peu plus. Laisse donc retourner là. Ça peut être 32 minutes, 35, ouais. Des fois plus. Hein. Il y en a une, elle prend beaucoup de retard. Ça dépend la circulation. On avait rendez-vous par exemple à 10h. Elle est arrivée à 10h20. Elle arrive en retard au permis ? Non, le, la, la ah, bah oui, le truc. En fait, c'est pas ça, c'est que il y en a qui gèrent mal le temps. Donc, ouais. Ou des fois, les situations qui se présentent. Ouais, bon, ça arrive. Il faut un camion de poubelle qui te bloque et voilà. Oui, bah oui, ça, ça décale le truc. Oui, en soi, c'est normal. Prends pas sur place. Parce que tu bloqueras eux. Tu ouais, les laisses passer. Ouais. Bonhomme vert, c'était un peu loin, mais bon, c'est pas une chose. Hop, qui est en droite, on va se mettre, on va rentrer derrière le camion directement en marche avant. Voilà, avance encore, on reste en volant, avance encore un petit peu.
Ok, tu me feras une marche arrière en ligne droite jusqu'au trottoir. En ligne droite. Ouais. Comme ça. Non, là je suis droite. Voilà, t'as... bah non, t'as marché à droite. T'avais l'air droite, t'as là. Ah, j'ai l'air droite. Non. Regarde, tourne tout vers moi. Parce que ça, tu l'as pas dans tous les véhicules. Ah bah oui, fais ça. Un tour et demi du volant. Voilà, et là t'as l'air droite. Donc, une main ici, une main là, l'autre main. Et tu vas t'asseoir sur une fesse. Celle-ci, c'est comme si tu lèves un petit peu pour bien voir. Si tu vas chercher le trottoir qui est à droite, le plus loin possible. Dans avec la vitre. Dans la vitre. Mmh. Dans la vitre. Si ton regard, il va être là. Je vois pas le trottoir. Ok. Tu vois pas le trottoir? Il faut que tu tournes. Hein. Il faut que tu tournes bien. Ah oui, ok. Ok. J'étais trop petite en fait. Comme ça. Mmh. Mais là, je l'ai tout droit. Hein. Ouais. Mais là, tourne pas ton volant. Assure-toi que le volant est droit. Allez. Donc, clignotant pendant toute la manœuvre. Non, t'as mis fait de détresse. Ça, c'est des sous-gaz. C'est n'importe quoi. Ok. Avec ton rétroviseur, de temps en temps, tu contrôles. Ah oui, si je vais droit. Mmh. Ça, il peut demander au permis. Ouais. Ok. Un petit peu. Encore. Voilà, c'est top. Allez, on va repartir. Bien sûr, c'est pour ça que je te demande. Ah on marche avant de mettre le clignotant. Okay. Contrôle. Il y a une voiture, mais allez, on y va. Allez, arrête. Okay. On y va. Je voulais ta place en fait. Okay. Il fait une marche en ligne droite. C'est ça le truc, il s'est trompé de route. Peut-être il a... Donc c'est ça l'objectif de la marche arrière. On va à droite. Okay. Alors, tiens. On va rentrer au centre des deux. Ah oui. Et là, si tu as déjà fait une manœuvre à l'extérieur, celle-ci, elle va juste, elle va pas être comptée, cette manœuvre. Ah bon? D'accord. Là, c'est fini. Si tu as déjà fait. Ah oui, une si manœuvre. Tu l'as fait au début. Donc là, il va te guider. Mais attention, entre. Ah oui. Tu vois ta route et après tu tournes. D'accord. Mais si, admettons, on va faire un rangement de bataille, on marche avant avec le véhicule gris qui est en gauche, à côté de lui, hein, parce que là, c'est plus difficile. Donc on va derrière lui. Ah ok. D'accord. N'accélère pas. Contrôle, lâche le frein, lâche. Faut pas que tu t'arrêtes, lâche le frein. Ah, laisse le véhicule avancer et tu te rends comme si tu allais rentrer dans une rue. Ah, okay. Contrôle. Juste à côté de lui. Hein. Ouais, et je tourne, et je tourne. Voilà. Tu vises la place en fait. Okay. Et là je redresse. Droite. Voilà. Et je m'arrête tout simplement. Ok. Ok. C'est ça le rangement bataille en marche avant. Ok. C'est plus simple. C'est plus simple. Maintenant pour sortir.